Prendre des Saint-Jacques bien fraîches, elles doivent se fermer au moindre contact. Vous glissez la lame de votre couteau dans l'interstice de la coquille et vous détachez la coquille en glissant le couteau le long de la coquille plate. Et vous allez découvrir la noix avec son manteau, c'est-à-dire cette espèce de bande que vous avez autour. La poche noire de sable, c'est l'estomac, et donc la noix, c'est le muscle, c'est la noix de Saint-Jacques, c'est ce qu'on mange. Donc vous allez retirer la poche de sable, vous allez vous retrouver avec le manteau, vous le gardez, vous nettoyez vos Saint-Jacques sous l'eau courante très rapidement, sinon elles vont se gorger d'eau. Et vous nettoyez les manteaux. Vous les frottez bien, parce que c'est plein de sable, vous les frottez bien sous l'eau courante et vous les laissez même un petit peu tremper. Et voilà, vous les séchez et vous les gardez pour faire votre fumée.